Très bonne organisation, d'ailleurs je remercie l'ensemble des services, évidemment la Riviera du Levant d'avoir contribué à cette organisation, mais l'ensemble des services de la municipalité de Sainte-Anne, services techniques, police municipale et autres qui ont concouru à cette réalisation. Aujourd'hui, nous avons un public nombreux et c'est une visibilité pour nous, pour la Riviera du Levant, mais aussi pour Sainte-Anne, que l'arrivée donne un autre cachet, l'arrivée de la Carujette à Sainte-Anne donne un autre cachet à cet événement, et notamment avec nos atouts naturels, ces magnifiques sables, ces vues aériennes, et donc c'est une belle arrivée. La Riviera du Levant, qui est donc la communauté d'agglomération du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François et de la Désirade. On essaye un peu de toucher, un peu de sensibiliser la population sur cette agglomération parce qu'elle est très peu connue. Comme l'arrivée se fait aujourd'hui à la ville de Sainte-Anne, c'est pour ça que la communauté d'agglomération en fait profite pour informer en fait la population et même les résidents temporaires en fait des différentes actions qu'ils mènent sur les villes concernées.